aller tester ça. Il a l'air, il est doublé à l'intérieur. Je découvre avec vous là. Il est doublé comme ça dedans, en filet. Et il a l'air hyper résistant. Trop bien. Je crois que j'ai pris ça chez les mecs. Oui, je fais souvent ça. Et j'ai dû le prendre en M pour qu'il soit un peu ample. Non, franchement, j'aime bien. Ça me ressemble, ce genre d'article. Une petite robe à carreaux blanche, blazer, robe blazer du coup, avec la ceinture qu'il avait. Ça a l'air, c'est très fluide comme matière. J'ai hâte de le porter pour voir ce que ça donne. Mais écoutez, j'ai pris beaucoup de choses pour un peu l'été, parce que l'été va bientôt arriver. J'espère qu'il va se dépêcher parce que c'est ma saison préférée du monde. Mais ouais, écoutez, c'est pas mal tout ça là. Bon, on passe aux essayages tout de suite. Hein. J'avais visiblement envie de jaune. Mais qu'est-ce que j'ai pris là? J'avais envie de jaune ou quoi? Ok, je me rappelle. C'est un top comme ça, jaune. Avec le pantalon. C'est un ensemble pantalon carotte. Écoutez, je vais aller essayer tout de suite parce que je me rappelle pas trop pourquoi j'ai pris cet article. C'est un ensemble avec un pantalon en toile. On va les tester. En tout cas, vu les prix, je trouve que c'est vachement bien fini les coutures. Faut voir sur le long terme, mais franchement... Je me rappelle de cet article. Et là, vous allez vous rendre compte que malgré mon grand âge, je dis ça comme si j'avais 40 ans, je suis vraiment une gamine. Des chaussettes requins. C'est des pantoufles requins. Genre, c'est tricoté comme ça. J'ai 5 ans. Je suis contente de pouvoir dire dans ma vie que je me suis fait mordre par un requin. Trop cool! Hop là, toi, tu deviens mon article préféré. C'est mi-requin, mi-crocodile. C'est un requin-til. Un requin-kill. Un crococain? Un crococain. On va rester là-dessus. En fait, à chaque fois, j'essaye de deviner c'est quoi l'article, mais je me rappelle pas, donc ça sert à rien de faire ce que je fais. C'est une robe mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que t'as une chemise, en fait, de base, et juste sur un côté de la robe, t'as une espèce de petite robe en dentelle. Ça, faut le voir porter, mais je pense que ça peut être hyper canon. Ça, je valide. Et c'est quoi, à côté? Et on a la ceinture avec. Ma vie à ce moment-là de ma commande là, c'est une chemise. J'aime le détail. Et ça, l'été, avec un top noir, un cycliste noir, une petite ceinture, t'as un petit flow. J'ai pris en S et je crois que c'était chez les hommes aussi. La matière est super fluide aussi, je pense que l'été ça va être hyper agréable à porter. Oh, ah, je me rappelle de cet article. Ils sont bien emballés en tout cas. C'est des lunettes de flow, hein. C'est pas des lunettes de voir, parce que tu vas pas voir grand chose avec ça. J'aime cet article. Faut l'imaginer avec la tenue, hein, parce que là c'est vrai qu'avec une pilou bleue, pas vraiment de flow, mais j'apprécie. Yay! J'aime trop. Non, vraiment, je valide cet article. Oh, je me rappelle, il me semble que c'est une veste. C'est un sweat. This is a sweater. Un gros sweat rouge, chez les hommes toujours. Avec ce détail là à l'arrière. Toujours un peu en cargo. Hein. Vous connaissez la dame à force. Bah ça franchement j'adore. C'est vraiment du Cindy Hoff quoi, tout craché. Oh, j'aime trop cet article. Il est trop beau. Je le trouve vraiment trop trop beau. Oh, j'adore. J'aime trop la mode coréenne. Je trouve qu'ils sont trop forts. Ils font des trucs trop trop stylés. Oh non, c'est trop mimi. Oh, je me rappelle de cet article. Oh là 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 là, je vais trop aimer. J'espère que c'est pas trop grand pitié. C'est un petit top comme ça, noir, avec un détail en plume. Et t'as la jupe qui va avec. J'adore. Oh, j'adore cet article. J'espère que porter, il va être beau. Petit ensemble plutôt sympa.
pense que c'est encore un ensemble. Ouais, voilà. Ensemble, top et jupe. Je vous ai dit, j'ai pris pas mal de trucs pour l'été. Donc le top est comme ça. Ici, on a un élastique sur les... Sur les branches. Non, Cindy. Sur les... Bretelles. C'était loin ce mot dans ta bouche là, il était loin dans ta tête. Et ensuite, on a une petite jupe, encore une fois. Ah non, c'est un short, c'est une jupe. C'est une jupe un petit peu fendue derrière. Histoire d'avoir un petit détail. Je me rappelle de ce pull, c'est un petit pull en laine, un peu court, genre en mode, il est pas crop top mais il est pas très long non plus, avec des petits détails comme ça un peu frangés, et il est hyper doux, j'aime bien, hein. Petit décolleté, j'adore, je valide. Et on avait encore envie de jaune, visiblement. Je crois que c'est le même ensemble que tout à l'heure, mais en tout en fluo. Un peu plus court, par contre. C'est un short short cette fois. Et le top, c'est un... Ok, c'est le même ensemble, mais en manche courte. Il est néon avec des bandes grises qui, je pense, sont réfléchissantes. Let me check with my phone if it's working. Ça réfléchit. Bah, vous le verrez pas en caméra, mais je vous le dis. Ça aussi, hein. Très efficace pour cet été. Oh, j'ai trop hâte d'être l'été. Mon sweat pour vous annoncer que évidemment il y a un code promo qui vous donne 18% sur le site, sachant que c'est déjà des articles qui sont vraiment pas chers. Je crois que mon article le plus cher il vaut 20 euros. Vraiment foncez quoi, faites-vous plaisir, gardez le moral pour les jours à venir là. Je sais que bah, chaque personne va gérer différemment, il y en a qui sont contents parce qu'ils ont plus l'école et tout. Je vais essayer d'être là cette semaine pour vous accompagner dans ça au maximum, parce que bah, moi faire des vidéos c'est ce qui me motive et c'est ce qui m'anime. See you guys, I love you all. Tout est en description pour les liens des articles que moi je porte. Mon avis sur Zafool, c'est que bah, c'est un très bon site. Hein. Moi, je suis contente de tout ce que j'ai essayé là. That's a yes for me. Goodbye guys. Bye.